Coucou les filles, j'espère que ça va mes beautés. Bon, moi j'attends ma sœur les filles, je suis trop contente. Ma sœur elle est rentrée hier, elle va ramener mon bébé là. Comme ça elle va revoir son cousin parce que Islem il demande tout le temps après lui. Moi j'ai posé un soin hier, je vais aller le laver. On va planifier les vacances les filles. On va aller se faire une. Je pense qu'on va se faire le sud avec ma sœur. Sud Espagne, j'ai trop hâte. On va faire une petite. Bon, mes chéris, je profite que Islam soit à la sieste pour vous parler. Je suis encore très sensible. Je vais vous raconter un petit peu. C'était pas du tout une grossesse voulue. Comme vous savez, je voulais plus du tout d'enfants, les filles. Mais en fait, j'ai eu un retard de 4 jours. Et je doutais absolument pas parce que je n'avais aucun symptôme. Mais il me restait un test que j'avais à l'ancienne et tout dans ma salle de bain. Donc, on était à Dubaï et tout. Et je m'en rappelle, moi je ne sais pas faire son. Enfin, je ne sais pas. Attends, Tijani est en train de prier. Moi je fais le test. Et là je crie dans les toilettes, je suis enceinte. Mais genre, je suis choquée parce que moi les filles, je voulais pas d'enfant. Je sors de la salle de bain et tout, il finit à prier, je lui donne le test. Lui il était trop content parce qu'il voulait trop d'autres enfants. Bon, après, une fois, même si on n'en veut pas, même si c'était pas voulu, une fois qu'il est là, bah, on l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Merde, je vais mettre un cœur parce qu'on voit Islem. Je parle doucement les filles parce qu'Islem il dort. Donc après, bah, prise de sang positif. On a été faire une écho à Dubaï et tout. Au début, on ne voyait pas d'embryon, on ne voyait pas de sac. J'en ai fait plusieurs. Hein. Genre, j'en faisais tous les 2 jours tellement j'étais en panique. Parce que moi, je suis sujette aux fausses couches, vu que je suis SOPK, les filles. Et là, j'ai commencé à faire des malaises. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais fait un malaise après la plage? J'étais pas bien, j'avais des vertiges. Je me sentais super mal et tout. Après, on est rentré en France. Parce qu'il faisait trop chaud, je supportais plus la chaleur et tout, donc on a dit allez, on rentre. Et quand on rentre, j'ai pris rendez-vous avec le docteur qui m'a fait mon curetage, vous savez, quand j'ai fait ma grossesse molaire. Et en fait, là, quand je suis sortie du rendez-vous, bah, j'ai fait une écho. En fait, il n'y a plus d'embryon, il n'y a plus rien. Le sac, il est tout aplati. Donc ça veut dire qu'une fausse couche va arriver. Et en fait, soit ça part naturellement d'ici mercredi, ou alors soit curetage ou médicaments, les filles. Mais en tout cas, j'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu en 2021, les filles. J'avais fait 3 fausses couches, une grossesse molaire. Et en fait, j'ai vécu les montagnes russes. Vous savez, quand on vous dit oui, c'est bon, il y a un sac. Après, on vous dit oui, bah, il y a la vésicule. Et après, à l'autre rendez-vous, on vous dit ah, bah, en fait, le sac, il est un peu irrégulier. Donc, peut-être que vous allez faire une fausse couche. Et après, on vous dit ah, bah, vos bêta HCG, ils sont bien. Et après, tu rentres et là, on dit non, mais c'est bon, c'est une fausse couche. En fait, c'est les montagnes russes, les filles. Et à chaque fois. Bah, en fait, comme je vous ai dit, j'ai vraiment vécu ça en 2021. Et psychologiquement, c'est trop dur et je me sens pas bien. Et j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai des nausées, j'ai des vertiges, bref, je suis pas bien. Voilà, je voulais juste vous dire que.
et vous l'avez tous remarqué, vous êtes tous en train de me dire la même chose. En fait, on montre vraiment ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Genre, personne ne se doutait de ça. Tellement on laisse paraître que ce qu'on veut, c'est pas la vraie vie. On montre que ce qu'on a envie de montrer. Enfin, bref, les filles. Et vous savez, moi, ce qui me fait trop mal, c'est qu'en gros, on disait à Islam, y a bébé, y a bébé. Et maintenant, Islam, il savait, genre, quand il voit mon ventre, il dit bébé, il fait des bisous. Genre, en fait, j'en voulais pas du tout, les filles. Mais quand il a été là, du coup, et ben, j'étais trop contente pour mon fils. Je me suis dit, enfin, il va plus s'ennuyer, il va plus tout seul.
Merci mes petites chéries pour tous vos messages. Franchement, vous êtes trop mignonnes. Je vous oublierai jamais. Vous êtes les bestes. Pour ça, des fois, ça me fait trop mal au cœur de cacher des choses aux filles que j'aime trop et qui m'aiment trop et tout. Mais vu qu'il n'y a pas que des gens bienveillants, bah, je sais que vous comprenez. Donc là, j'attends mon rendez-vous de la semaine prochaine, Inch'Allah. J'ai un deuxième rendez-vous. Et pour voir où j'en suis, si c'est parti, si c'est pas parti. Et une fois que j'ai fini, je vais couper. Je vais couper un peu, je vais aller en vacances, les filles. Je vous ai dit, je vais faire des vacances dans le sud, vers l'Espagne et tout. Comme on avait fait l'année dernière, c'est trop bien. Et ça va me faire trop du bien. Vous savez, les filles, quand vous attendez les résultats de quelque chose, et jusqu'à ces résultats, vous n'arrivez à rien faire. Après, je sais qu'on n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous le même caractère et tout. Mais moi, quand je suis dans l'attente de quelque chose, ça me stresse. Enfin, là, je sais que c'est fini. Je sais que c'est fini. Mais en gros, tant que c'est pas sorti, c'est pas parti, j'arrive à rien faire. Je suis pas bien. Et vous savez, la semaine où mon snap, il marchait plus du tout, là, à cause de la prise de position que j'ai fait où il y avait un bug, j'ai dit, alhamdoulilah, que ça arrive à ce moment-là. Du coup, bah, j'en ai profité pour couper, vu que ça marchait pas. Mais cette semaine, elle était trop dure. Genre, j'essayais de sortir et tout, mais je pensais qu'à ça, genre. Je pensais qu'à ça et tout, c'était trop dur. Parce que là, je savais pas encore que c'était vraiment fini, vous voyez. Et c'était l'attente. Et moi, quand je sais pas, genre, j'arrive là, jusqu'à mon rendez-vous de la semaine prochaine, où je sais que je vais réussir à rien faire. Genre, toute ma famille, tout me dit, vas-y, change-toi les idées, viens, on sort, viens, on fait ci, on fait ça. J'arrive pas. Genre, j'arrive pas, j'attends. Et une fois que ce sera fini, bah là, je serai... Tu voyais ce que je veux dire ou pas? Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Qui est comme moi, les filles? Et concernant les réseaux sociaux, les filles, avec Anissa, ça fait plus de 10 ans qu'on y est. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut partir. Parce que si en fait, on va partir quand? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en parlais avec ma sœur et tout. Et en gros, moi, je pense que je vais pas tarder. Je sais pas quand. Peut-être que là, ça va être là. Peut-être que ça va être cet été. Peut-être que ça va être à la rentrée. En tout cas, je sais que c'est dans un avenir très, très proche. Je vais quitter définitivement les réseaux sociaux. Je vous jure, les filles, quand je ne snap pas, ça veut dire quand je suis pas sur Snap, comme vous ne me voyez pas, je vis les meilleurs moments de ma vie. Wallah, c'est vrai. Genre, les moments, je les vis pleinement. J'ai pas de mal-être, je suis bien, je suis heureuse, je sors, je rigole, personne sait ce que je fais, personne sait où je suis. Et en gros, c'est les moments que... Moi, de base, je suis quelqu'un de très, très discrète, les filles. Ça veut dire... C'est trop contradictoire avec les réseaux sociaux, je suis grave d'accord. Mais en gros, je vous jure que c'est pour ça, à chaque fois que je reviens d'une pause, vous me dites « Souk, t'as glow up ». Vous avez pas remarqué, à chaque fois que je fais une longue pause, genre 2 semaines, 1 mois, 2 mois et tout, j'ai plus le même visage. Mon visage, il a changé, je suis épanouie, je suis reposée, je suis bien. Parce que j'ai pas de... Il n'y a pas de west-west, il n'y a pas cette galère de... Qu'est-ce que je vais snap aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mais il faut poster ça, il faut faire ci. En fait, il n'y a pas de ça. Alors certes, les réseaux sociaux, ça apporte énormément d'argent. On ne va pas cracher dans la soupe. Ça m'a changé ma vie, clairement. Mais j'ai plus envie, les filles. Genre, j'ai grandi, j'ai 26 ans. J'ai l'impression que j'ai plus ma place. En fait, j'ai l'impression que je prends plus plaisir comme avant. Je vous jure, les filles, j'ai l'impression de ne plus avoir ma place. Sachant qu'on peut gagner sa vie autrement, sans s'exposer, sans attraper du rien, du mauvais œil, des galères, des épreuves. Alors oui, tous les êtres humains sont éprouvés, mais imaginez, vous êtes exposés, il y a plus de 300 000 personnes qui vous regardent tous les jours. Et c'est pas que des personnes qui vous aiment bien. Je vous jure que ça détruit la vie, ça détruit la santé, ça détruit les mariages, ça détruit énormément de choses. Et au-delà que j'y pense, je sais que je vais quitter définitivement dans pas longtemps. Je pense vous faire mon annonce... dans un avenir très proche, comme je vous ai dit. Je parle avec des sœurs à Dubaï que j'ai rencontrées, avec qui je travaille, etc. Et juste avec leur commerce, ils font exactement les mêmes chiffres que nous, les influenceurs. Pourtant, c'est des sœurs. Personne ne sait c'est qui. Elles sont derrière leur business. Elles sont à fond dedans. Et elles gagnent autant d'argent. Et elles sont très heureuses. Et elles se préservent et elles ont pas ce mal-là. Et... Genre, j'ai vu des filles qui m'ont des chiffres, des filles que je connais, des filles avec qui je travaille qui m'ont dit regarde souk, font même plus que les influenceurs, juste avec leur commerce parce qu'elles ont la baraka, parce qu'elles s'exposent pas, elles se montrent pas, elles sont à fond dedans, ça veut dire que
Elles ont une vie, elles sont heureuses. Les filles, elles se réveillent le matin, elles sont à fond dans leur business toute la journée. Le soir, elles rentrent, elles font à manger comme si c'était un travail. Et moi, ça, c'est toujours la vie que j'ai rêvé d'avoir. Wallah, les filles, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Parce que, alors oui, j'ai mes business, mais c'est pas comme si c'était, je travaille tous les jours. C'est par, comment on appelle ça, c'est par collection, c'est par saison, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a une période où je vais travailler à fond, genre je vais mettre 2-3 semaines à fond dedans, après il y aura les ventes, après le site il est fermé, il y a une petite pause pendant un mois, vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai vraiment envie de me mettre à fond dedans et qu'on ne voit plus, que personne ne sache que je fais, etc. Même si vous allez trop manquer, genre je me suis trop attachée, je sais que en gros je les garderai pour donner des nouvelles et tout, mais j'ai plus envie de montrer où je suis et tout. C'est qui t'a offert ça? C'est content? C'est Mouima et GD, ils ont offert ça à Islem. C'est toute sa vie, les fils, ça. À Dubaï, il aime trop, vous savez, les vélos. Je sais pas comment ça s'appelle, une draisienne, c'est ça? On lui en avait acheté une. Et ça a pas de pédale, en gros. Et Islem, il aime trop, trop ça. C'est qui t'a offert ça? C'est content? C'est Mouima et GD, ils ont offert ça à Islem. C'est toute sa vie, les fils, ça. À Dubaï, il aime trop, vous savez, les vélos. Tu viens manger avec nous. Trop bien. Viens. Tu viens manger avec nous. Trop bien. Viens.